Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est pour un crash test make-up. Donc je vais tester le maquillage de la marque Azos. Je sais pas si vous êtes au courant, si vous avez vu ça, mais en fait Azos vient de sortir sa propre marque de maquillage. J'ai fait une petite commande de 7 produits, donc on va découvrir tout ça ensemble. J'ai encore rien testé, j'ai juste ouvert les produits, regardé un petit peu, etc. Swatché pour quelques-uns, mais pas testé du tout sur mon visage. Donc voilà, on va tout découvrir ensemble aujourd'hui. J'ai pris à la fois des produits pour le teint, pour les yeux et pour les lèvres. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu des produits avant et ensuite on passera à l'application. Alors déjà, pourquoi j'avais envie de tester la marque Azos? C'est parce que c'est des produits qui sont quasiment tous végétaliens et non testés sur les animaux. Je me suis rendu compte de ça en fait en regardant la description des produits, etc. sur le site. En fait, il y en a plein où c'est écrit produits végétaliens. Là, sur les 7 que je vais vous présenter, il y en a 6 qui ont la mention produits végétaliens sur leur site. Le 7e, c'est rien écrit, donc je sais pas s'il l'est ou pas. Et c'est bien écrit sur tous les produits de cette marque, donc sur le site Azos. Quand vous regardez les fiches produits, c'est bien écrit pour tous les produits qu'ils ne vendent pas en Chine, que ce n'est pas expédiable en fait en Chine. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas testé sur les animaux. Donc voilà, je me suis dit qu'on allait tester tout ça parce que les prix sont très très abordables. Là, le plus petit prix que j'ai, c'est 6,99€ et le plus gros, c'est 16,99€. Mais c'est pour une palette pour les yeux, donc voilà, niveau prix, je trouve ça très très raisonnable. Premier produit que j'ai choisi pour les yeux, c'est une petite palette. Donc ça se présente comme ça. Au niveau des packagings, c'est tous des petites boîtes comme ça en plastique rose clair avec les écritures en noir et à chaque fois des dessins. Ouais, il y a ce genre de truc en carré, il y a en espèce de stick, voilà, c'est quasiment tous ceux-là. Donc voilà, c'est un packaging que je trouve plutôt joli, rose pâle comme ça et c'est assez sobre. Ensuite, au niveau de l'intérieur de cette palette, on a un petit miroir que je vais cacher mais qui prend toute la place en fait dans le couvercle. Et au niveau des couleurs, il y avait plusieurs teintes. Moi j'ai choisi la, je ne sais pas, mais je vous mets la Strong il me semble. Dans tous les cas, vous retrouverez tous les articles dans la barre d'infos. Voilà, je vous mettrai tous les liens directs pour aller au produit. Donc il y avait plusieurs teintes dans cette palette et moi j'ai choisi celle-là, donc qui est plus avec des paillettes. Il y a deux seules teintes mates il me semble, c'est le beige qui est ici et le noir qui est tout au bout et tout le reste c'est soit satiné soit pailleté. Il y avait notamment cette teinte là qui me faisait vraiment de l'œil, qui a l'air très très jolie. Donc voilà, on va tester ça. Ensuite, toujours pour les yeux, j'ai pris un crayon qui est le Eyeliner Pencil dans la teinte Grounded, je pense. Donc en fait, c'est un petit crayon qui se tourne au bout, donc ça c'est hyper pratique. Et c'est un brun, un espèce de brun marron avec un petit peu de paillettes. Voilà, très joli aussi, j'avais pas envie de prendre un crayon noir parce que j'en ai beaucoup des crayons noirs, donc je me suis dit qu'on allait changer un petit peu. Et dernier produit pour les yeux, c'est un mascara. Voilà, il y avait plein d'autres produits, mais moi j'ai choisi uniquement les trois là. Le mascara, je me suis dit qu'il pourrait peut-être me plaire parce que je vais vous le montrer. Alors déjà au niveau du packaging, il est énorme le truc, je trouve ça très joli. Et au niveau de la brosse, voilà, c'est une brosse en petit picot silicone. C'est les brosses que je préfère, donc voilà, je me suis dit qu'il pouvait peut-être me plaire. Ensuite pour le teint, j'ai pris trois produits également. En premier, j'ai pris une poudre transparente. Donc c'est, je pense que c'est la teinte Just Brace, mais en fait c'est une poudre blanche. Donc au niveau des packagings, des petites poudres, ça s'ouvre en fait comme ça, c'est aimanté. Donc très pratique aussi, ça évite que ça s'ouvre dans le sac je trouve. Il y a un petit miroir qui est ici, et là c'est une poudre blanche tout à fait classique, voilà, pour tout le visage. C'est celle aussi que je vais utiliser sous les yeux, parce qu'ils font pas de poudre exprès sous les yeux, donc je prendrai la poudre compacte pour tout faire. Ensuite j'ai pris un bronzer, donc là c'est dans la teinte Bulletproof, donc pareil, même type de packaging et au niveau de la couleur ça donne ça. Alors il m'a l'air très très foncé. Au niveau des teintes, je trouve que les photos ne ressemblaient pas trop au niveau du site. Alors la poudre blanche oui, la palette pour les yeux oui, mais ça j'ai galéré pour trouver. Les autres avaient tous l'air orange, donc voilà, j'ai pris celui-là. Après il n'y avait pas 50 teintes non plus, donc on verra bien, je vais essayer d'avoir la main légère. Et dernière chose pour le teint, c'est un petit stick comme ça d'highlight. Donc en fait ça se tourne comme ça et ça pareil, il y avait plusieurs couleurs, deux couleurs il me semble, j'ai pris la plus claire. Voilà, donc c'est de l'highlight en crème en gros. C'est pas le genre de produit que je préfère pour faire l'highlight, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa quand même à tester. J'ai pas beaucoup d'highlight comme ça en crème, donc on verra bien ce que ça donne. Et le dernier produit, c'est un produit pour les lèvres, donc j'ai pris un rouge à lèvres liquide. En fait, il y avait des rouges à lèvres liquides et des rouges à lèvres en bâton, mais ceux en bâton, c'était pas écrit produit végétalien. Donc voilà, j'ai pris celui-là. J'ai oublié de vous donner les prix, donc au niveau de la palette, elle coûte 16,99€. Ensuite, le petit crayon pour les yeux, c'est 6,99€. Le mascara, c'est 10,99€.
Ensuite, au niveau des poudres pour le visage, la poudre pressée classique, elle est à 13,99€, donc la poudre blanche. Et le bronzer, il est à 11,49€. Le petit stick pour l'highlight, il est à 12,49€. Et dernier produit, le rouge à lèvres, il est à 9,49€. Donc voilà, je trouve que c'est très raisonnable au niveau des prix. Honnêtement, si c'est de la bonne qualité, etc., je trouve que ça vaut vraiment le coup. Je voulais vous montrer aussi comment est-ce qu'on les reçoit. Donc comme d'habitude, Azos, ils mettent dans des grands sacs en plastique. Et donc pour pas que les produits se cassent, ils mettent tout individuellement en fait dans des petites enveloppes comme ça à bulles. Ça je trouve ça un peu dommage parce que honnêtement le crayon qui était là, il était dans une énorme enveloppe, une plus grande que ça, juste pour lui. Donc voilà, là ça m'a fait 7 enveloppes à bulles, donc je trouve ça un petit peu dommage, ça fait quand même beaucoup de plastique pour rien je trouve. Voilà, ils pourraient soit rassembler deux produits ensemble, soit envoyer tout dans une boîte carton avec des bulles ou quoi. Mais là je trouvais que c'était quand même beaucoup d'emballage plastique. Et également dans chaque petit sachet on avait une petite feuille comme ça, donc qui nous dit, là par exemple c'est celle pour l'highlight, ça nous dit comment l'appliquer et derrière il y a la composition. Voilà, ça je le garderai pas, mais oui c'est vrai qu'il n'y a pas la composition qui est écrite derrière les packaging. En fait tout est écrit derrière la petite feuille, mais du coup si vous jetez la petite feuille, et ben vous avez plus rien, vous avez juste la teinte et le poids fabriqué en Italie et c'est tout, vous n'avez pas la composition sur le produit en lui-même. Donc voilà, ça peut être un peu dommage, mais sinon j'ai rien à reprocher. Donc on va tester tout ça maintenant. J'ai mis tout mon maquillage ici, je pense que vous voyez depuis tout à l'heure, je regarde là, c'est parce que j'ai tout mis ici. Je vais utiliser tous ces produits en les combinant avec mon maquillage habituel. Donc si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo récente sur mon maquillage d'automne. Voilà, ça va être les mêmes produits que je vais utiliser aujourd'hui, par exemple pour la bébé crème, la base, etc. Tout ce qui est anti-cerne, les sourcils et tout. Tous les produits qui sont pas de la marque Azos, je vais pas tout détailler dans cette vidéo, mais je vous link la vidéo dans laquelle je vous détaille tout, absolument tout sur mon maquillage d'automne. Donc voilà, c'est exactement les mêmes produits que je vais utiliser aujourd'hui, donc allez la voir si jamais ça vous intéresse. Je vais commencer par les yeux parce que la palette, j'ai peur qu'elle fasse des chutes et je voudrais utiliser le fard qui est ici. Donc comme il est hyper pailleté, je me dis que s'il fait des chutes et que j'en ai partout sur mes cernes et tout, ce sera plus facile à nettoyer avant d'avoir maquillé le teint plutôt que après. Donc voilà, je vais commencer par les yeux. Donc j'ai appliqué une base sur mes paupières et maintenant je vais passer à la palette. Donc en premier je vais utiliser cette teinte là qui est un beige mat en fait pour unifier toute la paupière. Donc ça je vais le mettre sur absolument toute la paupière, mobile et immobile. Je suis désolée si mon visage est tout rouge, mais j'arrête pas de me gratter parce que voilà, ça me pique partout, donc on va faire avec. Donc maintenant que j'ai unifié à peu près la paupière mobile, ouais ça va, je vais passer à une autre teinte. Donc je pense que je vais commencer avec cette teinte là, un peu sur toute la paupière aussi, et je vais foncer avec celle là. Pour le moment je trouve que les teintes sont pas trop poudreuses, au niveau du beige il n'était pas poudreux du tout, ça s'applique très bien. Et je trouve que le miroir de la palette est très pratique, il est pas trop petit, honnêtement c'est hyper pratique à emmener en week-end ou en voyage ou quoi, très très bien, ça suffit amplement pour maquiller les yeux. Foncer avec un tout petit peu de noir mais en estompant bien. Je vais changer de pinceau, je vais pas garder celui-là, je vais prendre vraiment un pinceau estompeur. Avec mon pinceau estompeur, j'applique vraiment dans le coin externe et j'estompe. J'en applique vraiment pas beaucoup du noir parce que j'ai peur que ça passe trop après, mais il faut quand même un petit peu accentuer le coin externe. Maintenant que j'ai fini mon coin externe, je vais passer à la couleur sur toute la paupière mobile. Donc je vais utiliser celle-ci, comme je vous disais, qui est plein de paillettes. Je vais appliquer ça avec un petit pinceau plat et je pense que je vais mettre du fixateur à maquillage dessus pour que ça prenne vraiment bien les paillettes. Voilà, j'ai pas envie de le faire au doigt parce que je l'ai swatché tout à l'heure et il y a un milliard de paillettes, donc je préfère le faire au pinceau. Là pour fixer je vais utiliser une brume de chez Yves Rocher, j'ai que ça sous la main donc ça suffira. Donc j'ai vaporisé un petit peu de brume sur mon pinceau et je vais venir prendre un petit peu de couleur. J'en prends pas trop, je préfère faire petit à petit. Et donc je vais mettre ça sur toute la paupière mobile. Voilà ce que ça donne au niveau de l'ombre sur toute la paupière mobile. J'en ai mis uniquement au niveau de cet œil là et voilà, moi je trouve ça plutôt joli. Après la pigmentation est pas dingue non plus, ça met pas énormément de paillettes, je pensais que ça en mettrait plus avec le fixateur, donc je vais essayer d'en mettre une couche.
Je pense que je vais arrêter là et je vais passer à l'autre œil. Ouais, c'est plutôt joli. Ça reste quand même assez discret entre guillemets. Voilà, ça met pas une tonne de paillettes, mais je trouve ça quand même plutôt joli. Donc voilà, je pense que c'est quand même mieux d'utiliser ces fards-là avec du fixateur sur le pinceau, parce que sinon je pense qu'il peut y avoir énormément de chutes. Voilà pour la paupière mobile, et maintenant que c'est bien sec au niveau du fixateur et des paillettes, là pour le moment il n'y a pas de chute. Donc voilà, je trouve ça très bien. Maintenant que c'est sec, je vais réestomper au niveau de l'extérieur, enfin du coin externe et de toute la transition au niveau du creux. J'ai enlevé avec un pinceau poudre les quelques petites chutes qu'il y avait sur mes joues. Voilà, honnêtement ça allait, il n'y en avait pas tant que ça. Et donc maintenant je vais passer au crayon pour les yeux. Voilà, je vais mettre ce crayon là dans la muqueuse, je pense, et je pense que ce sera tout et qu'après je passerai au mascara. Je vais pas faire de trait liner ou quoi parce que c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Vous le savez, je galère là-dessus, donc je vais rester, je pense, sur ce maquillage-là. Moi, j'aime bien aussi les maquillages où il n'y a pas forcément de traits, où il n'y a pas de ras de cils, etc. Donc voilà, ça me convient très bien et je pense que peut-être à la fin, je rajouterai des ombres à paupières sur le ras de cils, mais une fois que j'aurai fait tout le teint. D'habitude pour le mascara j'utilise une base que je mets avant qui vient de chez NYX, une base blanche avec des fibres, mais pour aujourd'hui je vais l'utiliser sans, pour vraiment voir comment il fonctionne. Voilà, après je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais mes cils sont très capricieux et ils tiennent pas la courbure si c'est pas du mascara waterproof. Donc voilà, je vais tester celui-là, mais dans les mascaras en fait que j'utilise tous les jours, je mets toujours une base avant parce que je trouve que ça tient mieux. Et je vais me recourber les cils avant. Voilà pour l'application du mascara. Alors je trouve qu'il fait de très jolis cils quand même, sans avoir mis de base en dessous. Il faut voir si ça retombe après ou pas, mais là pour le moment je trouve ça très joli. Ça apporte vraiment de la longueur, pas énormément de volume, mais de la longueur. Voilà, moi je trouve ça très joli. Après faites attention pour ceux qui sont pas trop doués du mascara, etc. La brosse est quand même énorme par rapport à la taille de mon œil, donc voilà, il y a moyen de s'en mettre sur la paupière facilement, mais sinon je trouve le résultat très joli. Ouais, je pense que je vais laisser comme ça pour le moment et je verrai bien si je viens mettre une deuxième couche après ou pas. Donc maintenant on va passer au maquillage du teint et comme les premiers produits que j'ai utilisés c'est des produits poudre que j'utilise en dernier, je vais faire toute ma routine avant. Donc voilà, je vais tout faire hors caméra, tout ce qui est base, bébé crème, anti-cerne, etc. Et je vous reviendrai pour appliquer les poudres. Donc voilà, j'ai fait mon teint et je reviens pour l'application de la poudre. Donc c'est la poudre translucide. Je vais l'appliquer sur tout le visage et je vais faire les cernes en même temps avec mon gros pinceau poudre. D'habitude je fais du baking éventuellement avec une poudre libre ou quoi, mais voilà, aujourd'hui je vais pas le faire. Comme toutes les poudres blanches, celle-là ne va pas apporter de couvrance, voilà, elle sert juste à matifier, mais si jamais vous avez des choses à corriger en plus, ça sera mieux de prendre une poudre qui est colorée. Voilà, moi je cherche juste à matifier, donc pour le moment je la trouve très très bien. Et donc maintenant on va passer au bronzer, je vais à peine creuser les joues et en mettre un petit peu sur le menton et c'est tout. Donc je vais faire ça avec un petit pinceau comme ça, j'espère que ça sera pas trop pigmenté ni trop foncé parce que j'ai très très peur. Donc voilà, je vais en prendre juste à peine et j'en rajouterai si besoin. Je le trouve très joli, surtout au niveau de la couleur, voilà, c'est pas du tout un orange, donc je trouve que c'est très très bien pour creuser les joues, etc. Donc voilà, là j'ai mis un petit peu dans le creux des joues, un petit peu sur le front, et je vais un petit peu estomper avec mon pinceau poudre. Donc j'ai fait le blush hors caméra, et maintenant on va passer à l'highlighter. Donc je sais pas du tout comment ça s'applique, ce genre d'highlighter qui est liquide comme ça. Alors je vais en mettre, je pense, directement avec le raisin, et ensuite j'estomperai éventuellement au doigt. Je sais pas du tout s'il faut faire ça au pinceau ou quoi, mais bon, on va bien voir. Donc je vais en mettre sur le haut des pommettes, sur l'arête du nez, je pense, et sur l'arc de Cupidon. Voilà pour l'application de l'highlighter, donc j'en ai mis sur les pommettes, sur le nez et sur l'arc de Cupidon. Je le trouve très très joli, vraiment à appliquer au doigt, je trouve ça assez simple. Voilà, je fais quelques petits points avec, alors j'essaye de pas faire un trait franc, sinon j'ai peur que ça déplace qu'en dessous. Mais je tapote un petit peu pour faire quelques petits points et ensuite estomper au doigt et je trouve que c'est très joli. C'est fini pour le teint, donc maintenant je vais faire les sourcils hors caméra et je reviendrai pour finir avec le rouge à lèvres. J'ai fait mes sourcils et j'allais oublier, avant de mettre le rouge à lèvres, je vais mettre une petite teinte sur le ras
a-t-il inférieur? Donc je pense que je vais partir sur cette couleur là. Au niveau du mascara, je vais voir si je peux rajouter une petite couche pour essayer de faire encore plus de longueur. Voilà, pour le moment je trouve que c'est très joli, mais je pense que ça pourrait être mieux, donc je vais essayer d'en rajouter une couche. Je trouve qu'avec une couche en plus, ça apporte vraiment plus de volume. Voilà, je trouve ça très très joli comme ça. C'est rare que j'ai le résultat là avec un mascara qui n'est pas waterproof. Donc à voir si ça tient, mais là j'ai l'impression que la courbure tient. Donc voilà, je trouve ça très joli pour le moment. Et donc maintenant on va passer aux lèvres. Donc avant de mettre mon rouge à lèvres liquide, je vais mettre une base pour les lèvres, donc en crayon. Parce que j'ai des petites gerçures sur les lèvres et tout. Donc voilà, je pense que ça sera plus uniforme avec une base avant. Je trouve qu'il s'applique très facilement, voilà, les embouts gloss, je trouve que c'est vraiment le plus simple pour appliquer les rouges à lèvres. Ça va hyper bien et il n'a aucun effet de matière. Là pour le moment je trouve qu'il est très agréable à porter et il est devenu mat directement. Et donc voilà pour ce crash test de maquillage Azos. Donc le produit que j'ai préféré jusqu'à maintenant, c'est vraiment le mascara. Je trouve qu'il donne une très belle courbure et que la courbure reste. Donc voilà, c'est assez rare sur moi, donc je le trouve très bien. Après je vais tester tous les autres produits dans les prochains jours, les prochaines semaines, et je vous en donnerai des nouvelles dans tous les cas. Le rouge à lèvres a l'air très bien aussi. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé aussi l'highlight en stick, etc. Enfin voilà, tout est bien, il n'y a pas de gros flop. Si vous voulez savoir mon avis final, donc après une journée à porter les produits, etc., n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, je vous écrirai quelques petites lignes pour mon avis final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez plus de crash tests de produits d'autres marques, etc., n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc., ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt !